tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Plus de 3 petites choses que j'ai reçues, je les intègre dans la vidéo, comme ça c'est plus facile pour moi. C'est un haul principalement Action, Zara, Kiabi, et donc voilà, je vous dis 2-3 petits trucs que j'ai reçus. Première chose que je vais vous montrer, c'est une collaboration avec Twist Shake, parce que j'ai un code promo pour vous. Donc je voulais vous le montrer. Oui, mon lapin. Tu vas regarder avec papa? Vas-y, va regarder avec papa. Hop. Donc, première chose que j'ai demandé, c'est une bouteille comme ceci. Elle est juste trop belle. C'est on va dire couleur café. Ils appellent ça beige, mais je trouve que c'est une couleur café. C'est une bouteille isotherme qui, évidemment, tient froid et tient chaud. Moi, j'ai déjà mis mon thé à l'intérieur. Elle tient super bien le chaud. Et franchement, cet effet un petit peu velours comme ça, c'est hyper, hyper joli. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai reçu ça de Twist Shake. J'ai reçu une petite assiette comme ceci. Donc toujours dans les teintes beige, et alors elle a la particularité ici, vous voyez au dos, de pouvoir se clipser sur un set de table. Donc ça c'est franchement super pratique. J'ai pas pris le set de table mais j'aurais dû au final, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Et comme ça ça empêche que l'enfant ne renverse son assiette. Donc je pense que je vais commander le set de table qui va avec. Et alors je lui ai pris un petit bibi comme ça. Pour l'instant Jeanne n'arrive pas encore à boire à celui-ci, elle est habituée aux mâmes, donc elle n'arrive pas encore à boire. C'est un petit peu plus particulier que les mâmes, hein. Mais franchement j'aime beaucoup beaucoup la couleur. J'ai mis de l'eau dedans, donc j'ai essayé de lui faire boire aujourd'hui, essayer de l'habituer, voir s'il pouvait boire à autre chose, que si j'oublie le mâme, voilà, j'ai aussi envie qu'elle puisse boire. Donc voilà, je trouve qu'ils sont franchement hyper jolis, ils ont plein de couleurs, ils ont du noir en passant par des couleurs fluo au blanc, enfin ils ont plein de choses. Et moi j'ai un code promo pour vous, c'est MELISSANMRK, donc je vous le mets ici, qui vous donne droit à 20% sur tout le site et 10% supplémentaire sur la collection Néon. Donc la collection Néon qui est déjà à 50% sur le site, donc ça fait 60%. C'est vraiment vraiment très très intéressant si vous aimez Twist Shake. Maintenant je sais pas vous dire au niveau des biberons si vos enfants... Oula, on voit mon soutien-gorge ici. Ça fait pas 70% chaud? Non, 50 plus 10. T'as dit 20? Oui, 20 sur tout le site et 10 en plus sur les néons qui sont déjà à 50. Donc au niveau des biberons, je sais pas vous dire parce que Jeanne n'en prend pas, mais ils font franchement de chouettes biberons. Chez New Chic, j'ai pris pour mon ami Gaëlle ce petit ensemble-ci. Où est mon lapin? Tu as soif peut-être? On va aller manger. J'ai pris ce petit ensemble-ci avec un petit panda qui est super adorable. Tu veux les téter? Ah oui, je crois qu'elle veut manger. Avec un petit bonnet, comme ça, qui va avec. Trop chou, donc Gaëlle, si tu passes par là, sache que c'est pour toi. Et aussi pour toi, cette petite barboteuse comme ça, pingouin, qui est vraiment super mignonne. Donc comme il est en février, je pense que au printemps, il pourra les mettre. Donc voilà, Gaëlle, ça c'est pour toi. Et autre petite chose de chez New Chic qui est juste trop belle, c'est une petite lampe cactus, lampe et en même temps gobelet pour mettre des petits bics, des crayons de couleur, etc. Quand la salle de jeu de Jeanne sera faite, on va lui faire une petite table pour elle pouvoir dessiner, colorier. Et donc cette lampe-ci est super pratique, elle se recharge avec une clé USB, un port USB pardon. Et hop, je vais vous montrer, elle s'allume simplement ici en appuyant. Si j'y arrive, hop, il faut trouver l'interrupteur, voilà. En appuyant ici, et vous avez 3 intensités différentes. Elle est franchement canon. Vous avez plusieurs couleurs, je me demande s'il n'y avait pas une bleue. Une bleue, une rose, c'est sûr. Et il me semble qu'il y a une troisième couleur. Mais de toute façon, les liens seront en barre d'infos. Mais elle est franchement adorable. Bon, c'est du plastoc, hein, ça, vous attendez pas à autre chose. Mais voilà, c'est super. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens que vous voulez. Et le rose ici, c'est vraiment un rose poudré très joli. Donc ça j'aime beaucoup, j'étais très étonnée quand je l'ai reçu. Hop, donc ça c'est pour New Chic. Ensuite j'ai reçu un petit doudou l'ange. Je vous ai déjà montré un doudou il n'y a pas si longtemps que ça. Ici je viens d'en recevoir un autre. Mais je vais plutôt l'utiliser pour cet été, enfin ce printemps-été. Et c'est la marque Louis et Jules. C'est Made in France. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Et j'ai aussi un code promo pour vous. Décidément cette vidéo j'ai plein de codes promo. C'est MELISSA20 qui vous donne droit à 20% sur le site. Hop, je vais vous montrer celui que j'ai choisi pour Jeanne. Donc c'est un petit doudou comme ceci. Donc vous voyez c'est un ange. Il y a plusieurs dimensions. Vous en avez même je pense en... un petit peu rembourré, vraiment doudou peluche. Celui-ci, il est couleur beige lin avec des petits pois, des petits fils dorés avec marqué Jeanne. C'est super adorable. Et ici, vous avez une petite pression où moi, j'ai accroché la tutute de Jeanne, la bibi, enfin voilà, la sucette
dépend comment vous l'appelez. Et à la base, il y avait un petit oiseau comme ça. Ça aussi, vous pouvez changer. Il y a plein d'autres petits modèles. Moi, j'ai choisi l'oiseau parce que je trouvais ça super mignon. Donc ça, c'est pour les enfants au début, pour faire leurs dents. Mais voilà, moi, Jeanne ne mord plus. Donc hop, du coup, j'ai mis la Bibi comme ça. Et donc, c'est hyper pratique. Il est vraiment assez grand pour recouvrir la tête de Jeanne, parce que moi Jeanne elle aime bien se couvrir la tête pour s'endormir, donc je lui mets la Bibi et puis je lui recouvre la tête comme ça, et du coup il est super pratique, il est très léger donc ça va pas l'étouffer non plus, donc vraiment super super contente. La qualité est là, c'est du made in France, donc ça c'est vraiment un très très chouette cadeau. Vous avez plein de modèles différents, donc pour une naissance foncée, parce que moi je pense que j'ai une naissance au mois de février dans la famille, et je pense que ça va être un chouette petit cadeau, mais je ne connais pas encore le prénom, donc du coup je ne le ferai pas broder, c'est dommage, ou alors je devrais attendre qu'il naisse pour le faire broder. Soit, on va passer à Kiabi, je ferai Action après parce que c'est quelque chose que vous adorez Action, donc je le ferai après. Chez Kiabi, hop, j'ai pris quoi? Chez Kiabi j'ai pris un pull, mais que je n'ai pas sous la main, je pense qu'il est au sale, mais c'est pas grave, je vous le montrerai sur Instagram s'il faut. Je lui ai repris celui-ci, alors je l'avais déjà en 12 mois, sauf qu'il est extrêmement grand en 12 mois, j'ai déjà essayé de le mettre à Jeanne mais c'est affreux. Donc comme je l'aime bien, j'ai été le rechercher, voilà. Il n'existe qu'en deux couleurs, en gris et en beige, je trouve ça dommage parce qu'il est vraiment super sympa. Il ne coûte que 7€. Voilà, et donc je l'ai repris, hop, pour Jeanne en 9 mois pour pouvoir le mettre maintenant. Et chez Kiabi j'ai pris pour moi, parce que pas toujours pour Jeanne quand même. Je ne serai peut-être pas vous la montrer ici, je vais peut-être vous mettre une photo portée. C'est un trench un petit peu chaud, bon pas super chaud non plus, couleur camel. Hop, tout simple, droit, enfin voilà la veste qu'on voit pour l'instant partout et qui est super à la mode et qu'on adore. Elle est franchement hyper belle. Alors faites attention, essayez-la parce qu'elle taille grand, moi j'ai pris dans le 40. Et donc elle me va, j'ai essayé la 42 mais c'était beaucoup beaucoup trop grand. Elle est franchement canon, et si vous saviez le prix, elle ne coûte que 35€. Donc oui, toutes les grandes vestes qu'on voit partout qui coûtent super cher, celle-ci chez Kiabi ne coûte que 35€. Donc foncez parce qu'elle est vraiment 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 canon. C'est un gros coup de cœur de chez Kiabi. Il m'en fallait absolument une comme ça et je l'ai adorée. J'ai hésité à la prendre la première fois que j'étais chez Kiabi, et puis au final on est retourné chez Kiabi à Bruxelles et je l'ai prise parce que c'était pas possible, il fallait que je la prenne. Et ensuite chez Zara. Alors Zara, j'ai un truc pour moi et puis tout le reste c'est pour Jeanne pour cet hiver. Alors je me suis pris la jupe, j'ai flashé sur cette jupe sur le site internet, mais Simon m'a fermé la bâche de mon panier sans faire exprès. Donc du coup je l'ai vue en magasin, je l'avais complètement oublié en plus. Je l'ai vue en magasin et du coup je l'ai reprise. C'est une jupe en velours côtelé en taille XL qui coûte 19,95€. Elle est canon. Ah oui, ok. Elle est trop canon. Franchement, elle est super belle. C'est un beau vert sapin, un tout petit peu armé comme ça. Elle est trop belle. Les boutons s'ouvrent, hein. C'est vraiment des vrais boutons. Pour le coup, j'adore. Ça, si je vous remettrai le lien parce que je pense qu'elle va faire fureur. C'est la jupe, pour le coup, automne-hiver à avoir, absolument. Ça, avec le trench, c'est super beau en plus. C'est le velours côtelé et en plus vert. C'est la pièce indispensable pour cet automne. Ensuite chez Zara, hop, je sors tout pour vous montrer. Ça c'est aussi chez Zara. J'ai pris pas mal de choses. Ah, avant de faire Zara, j'ai pris deux petits trucs chez H&M. J'ai repris un petit bonnet comme ça pour Jeanne. Elle avait le même pour sa naissance mais en gris, gris foncé. Et je lui ai repris en blanc. Je l'ai pris pour maintenant 6-9 mois parce qu'il n'y avait pas la taille au-dessus. Mais si je retourne chez H&M ou si Simon passe par le H&M près de son boulot, je vais lui demander de prendre la taille au-dessus en 9-12. Parce que ça c'est vraiment pour maintenant. Donc voilà, il est super mimi. 6,99€. Et chez H&M toujours, un petit pull comme ça, extrêmement léger. Faites attention, c'est vraiment pour les beaux jours comme il y a maintenant. Aujourd'hui par exemple il a fait 18-19 degrés. Donc c'est vraiment pour les beaux jours comme aujourd'hui. Je l'ai pris en 6-9 mois et il m'a coûté 12,99€ celui-ci.
trop mimi avec des petits lapins. Bon, on va passer à Zara parce que sinon je vais pas finir cette vidéo. J'ai pris deux petits leggings à Jeanne, dont un qu'elle a déjà porté et qui est peut-être sale, je ne sais pas. Ils coûtent 9,99€ pièces, 9,95€. Ouais, 9,95€ pièces, je les ai pris en 9-12 mois, mais je vais les recommander sur le site en 12-18 parce qu'ils sont bons pour maintenant. Mais j'aimerais bien qu'elle en ait quand même pour cet hiver pour jouer dans la maison. Parce qu'honnêtement, ils sont pas... C'est pas qu'ils sont pas chauds, mais ils remontent facilement. Et donc à chaque fois, faut tirer dessus et c'est ennuyant parce que bon, j'ai pas envie que la petite ait ses jambes ou ses mollets à l'air en plein hiver. Donc du coup, ce sera vraiment pour jouer dans la maison que je vais lui prendre ces leggings-là. 9,95€, ils sont super beaux. Portés, ils sont adorables. Ça lui fait un beau petit pet, des belles petites cuisses et tout. Je trouve ça super mignon. Donc j'ai pris celui-ci, couleur brun. Brun, couleur, oui, marron. Il est sale d'ailleurs. Okay. Il y a une tache, mocha, oui. Hop, dans la banne à linge. Et je l'ai pris en, évidemment, vert. Voilà. Vert sapin, c'est ma couleur. Vous l'avez remarqué. J'ai pris un petit basique blanc à longue manche. Que je lui ai mis aussi. Il est peut-être sale. Je lui ai mis d'ailleurs avec le petit legging. Hop, je vais le remettre à l'endroit pour vous montrer. Il m'a coûté 4,95€. Vraiment, les petits basiques comme ça de chez Zara, ils coûtent vraiment pas très cher. Je vais vous montrer. C'est le genre de basique que je lui prends depuis sa naissance. Et que j'aime beaucoup. Hop. Avec des petits détails comme ça. Enfin, vous voyez pas très très bien parce que la lumière, il est tard. Hein. Il est 6h30. Jeanne doit faire une petite sieste. Donc, je me dépêche. Donc voilà, petit basique simple que j'adore mettre en dessous de gros gilets. Ensuite, petit pull bien chaud cette fois-ci. De chez Zara toujours, il m'a coûté 21,95€, c'est un petit peu cher, c'est un 9-12 mois, mais il est vraiment super chaud, vraiment, c'est le pull moumoute, elle va être super bien à l'intérieur, ça avec un petit legging comme ça, mais elle va être tellement confortable, ça c'est le genre de pièce pour, voilà, on va aller faire ses vaccins ici le 21, s'il fait froid, je lui mets ce genre de truc avec un petit legging, donc du coup elle va être très, très bien enveloppée et pas de prise de tête, pas serrée et tout après les vaccins. Il est adorable. Ce pull, si je pouvais l'avoir pour moi, oh, il est trop beau. J'adore. Autre petit pull, celui-ci, mais qui est un peu, on va dire, oversize. En 9-12 mois, toujours 21,95€. Hop, couleur un petit peu vert d'eau. Mais celui-là, voilà, il est vraiment oversize. Donc, à mon avis, elle ne le mettra pas tout de suite. Mais il est super mignon. Un petit peu moins chaud parce qu'il est un petit peu ajouré, mais chaud quand même. Vous voyez, on voit un petit peu en dessous, quoi. Voilà, au niveau des petits cœurs. Il est un petit peu moins chaud que le beige, mais il est franchement adorable. La nouvelle collection Zara est vraiment très très belle. Ici, en 9-12 mois toujours, je lui ai pris un petit pantalon à 10,95€. Canon, mais canon. Franchement, il est vraiment super beau. Hop, le deuxième pompon, il est là. On va aller faire dodo, ma chérie. Maman a fini. Hop, petit pantalon comme ça, trop beau. Et je finis avec Zara, mon lapin, avec une petite salopette. Trop belle. Bah c'est une salopette. Non, pas short. Salopette c'est quoi ça? Salopette c'est quoi? Salopette c'est long. Ah oui, c'est une combi short alors. Cherchez papa. Oula, attention. Attention. Et donc c'est une petite combi short en rose chiné comme ça. Super belle avec des petits boutons en bois. Et ce que j'aime, voilà, c'est que c'est vraiment une combi short, donc c'est vraiment super, super pratique. Est-ce qu'il y a des pressions? Oh, Zara, non. Hein. Ils n'ont pas fait de pression au niveau de l'entrejambe pour changer la couche. Ah, mais c'est ça qu'elle était râleuse, il faut lui changer la couche aussi. Donc, du coup, est-ce que les nœuds ici, on sait les défaire? C'est juste qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Oui, on sait les défaire, mais à mon avis, on ne sait pas les resserrer, du coup, ce serait trop beau. Mais donc voilà, s'il vous plaît Zara, pensez à mettre des pressions entre les jambes. Pour les mamans, c'est quand même très très pratique. Bon, je finis avec Action, comme ça après ma fille peut aller faire sa sieste. Hop, j'ai pris, tiens mon lapin, regarde ce que maman l'a pris. Regarde, Jeanne. Je lui ai pris deux petites balles parce que Jeanne raffole des balles. Voilà, je sais plus du tout combien c'était, mais pour tout ce que je vais vous montrer, j'ai payé 25€. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris deux petites balles. C'est de la mousse. Ça vraiment, si elle mord dedans, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est vraiment des petites balles en mousse, donc ça va aller pour sa chambre. Ça coûte 3 fois rien chez Action, vous le savez. J'ai pris ensuite 4 pelotes de laine.
Il est marqué que c'est certifié Ecodex. Ça, je l'ai vu dans la voiture, donc c'est top. Toujours en vert, vous savez, ce vert eucalyptus que j'adore. Et je vais essayer de faire une écharpe et un bonnet pour Jeanne. Je pense que j'aurai assez, parce que bon, voilà, pour les bébés, c'est assez petit. Ils avaient plein de couleurs, ils ont toujours plein de laine chez Action. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vais essayer. Voilà, c'est Made in Turkey. Et c'est certifié Ecodex. C'est de 100% acrylique. Donc voilà, on essayera et vous verrez le rendu de toute façon. Pour l'instant, elle a aussi un t-shirt vert d'eau comme ça. J'adore cette couleur. Enfin, vous allez le voir chez Action, j'ai acheté que des trucs vert d'eau comme ça. Enfin, c'est vert eucalyptus, que vert d'eau, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt vert eucalyptus. J'ai pris, ça c'était moins de 4 euros, un paquet de 15 boules comme ça pour le sapin. Toujours vert eucalyptus. Bon, elle rend un petit peu plus clair, mais en vrai, elle sent un tout petit peu plus foncé. Parce que mon sapin, j'ai vraiment envie de le faire. Cette couleur-là est dorée. Donc ça va être super joli. J'ai fini mon lapin. J'ai pris une petite tasse verte. Voilà. Mais ça, je pense que ça va être plutôt pour mettre mes bics ici sur mon bureau. Elle est où la bibi? J'ai pris un petit diffuseur de parfum avec 4 petits disques de parfum. Toujours vert. Voilà. Ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent par contre. Mais ça sent très bon. Fragrance Home Sweet Home. Voilà, ça vous dit tout, hein. Mais voilà, en vert comme ça, j'adore. C'est mon kiff. Ce vert là, c'est vraiment mon kiff. Ensuite, Simon s'est pris des petits bonbons comme ça, des petits. Ici, c'est du popcorn maïs frit et salé. Voilà. Moi, j'ai pris. Il s'est pris aussi une boisson, mais que j'ai pas ici. Et j'ai pris un paquet de gaufres. Voilà. Et en tout, j'en ai eu pour 25 euros pour tout ça. Il s'est pris des arachides sucrés. Voilà. J'ai pris ensuite hop, de la peinture. J'avais déjà pris cette peinture pour le baptême de Jeanne, pour décorer le baptême de Jeanne. Ici, il y avait cette petite couleur vert. Voilà. C'est un vert bleuté, un peu vert d'eau. Et blanc. J'ai repris ces deux couleurs-là pour peindre. Comment ça s'appelle? La tour d'observation Montessori, j'arrive jamais à retenir ce mot. Donc j'ai vraiment envie de peindre les pieds ou de faire... j'ai acheté ça. C'est des petits cartons, voilà, avec des lettres pour pouvoir personnaliser. Donc écrire Jeanne en peinture par exemple, tout simplement, sur sa petite tour Montessori. Je trouve ça super sympa. D'ailleurs, il faut absolument que je vous parle de ce projet aussi. Parce que si vous suivez sur Instagram, vous savez le projet de cette tour Montessori. Mais si vous me suivez... que sur YouTube, vous ne le savez pas. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos pour pouvoir suivre tout ça, tous ces projets. J'ai pris 2 petites maisonnettes comme ça, trop mignonnes, pour mettre dans le sapin aussi. Voilà, juste trop chou. Et j'ai pris pour la Saint-Nicolas de ma fille, même si je pense que je ne vais pas lui donner à la Saint-Nicolas, parce qu'honnêtement, Saint-Nicolas à son âge, elle ne sait pas du tout ce que c'est. L'année prochaine, ce sera une autre histoire. Mais Saint-Nicolas, elle ne sait pas du tout ce que c'est pour l'instant. Donc je pense que ça va être une partie de son cadeau de Noël. Je vais les emballer, je vais les mettre sous le sapin. D'ailleurs, petite astuce, je pense déjà monter le sapin. Oui, vous allez me dire, c'est très tôt. Mais en fait, j'ai peur que Jeanne aille chipoter au sapin. Et c'est vraiment risqué qu'elle le fasse tomber sur elle. Surtout qu'il est très grand. Je sais pas combien il fait de mètres. Il fait 2 mètres. Je sais pas combien il fait. Mais il est très grand, très lourd. Et j'ai peur qu'elle aille chipoter. Donc j'ai vraiment envie de le mettre déjà maintenant. Pour qu'elle s'y habitue pendant un mois à voir cette grande chose dans le salon. Mais sans boule. Juste le monter comme ça. Et une fois qu'elle s'y sera habituée, commencer à venir mettre les boules avant Noël. Mais pas monter ce truc et puis venir mettre les boules et c'est risqué qu'elle fasse tout tomber sur elle, ça je veux pas du tout. Donc voilà, si vous voulez suivre cette petite astuce aussi, on va voir si ça marche. J'ai envie vraiment de le monter sans boules pour lui faire comprendre qu'il faut pas le toucher déjà. Elle aura un mois pour bien le mettre dans sa tête qu'elle peut pas le toucher. Et du coup après comme ça je montrerai le sapin avec les boules. Et j'ai trouvé ici, alors attention, c'est pas pour les enfants, attendez. Ici c'est plus de 12 mois. Ouais, bon, on va commencer par celui-ci. J'ai pris de la peinture à doigts. Ça a coûté 3 fois rien. Je crois que c'était 3-4 euros. Allez, peut-être 5 maximum, même pas 3-4 euros. C'est pour les plus de 18 mois. Alors, est-ce qu'il est marqué quelque chose? Peinture à doigts. Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par un adulte, et évidemment. Ce produit peut causer des taches permanentes sur les murs, les vêtements et les meubles. Donc, faites attention vraiment à mettre des vêtements, des vieux vêtements ou des vêtements tachés ou un grand tablier.
Et j'ai jamais fait de peinture à doigts. Enfin, j'ai déjà fait de la peinture à doigts avec Jeanne, mais avec de la peinture que j'avais faite moi-même avec avec de la farine. Mais du coup, ici, voilà, je trouvais ça sympa de lui offrir ça. Je pense que je vais garder ça pour Noël. C'est super sympa. Donc, sachez qu'il y a ça chez Action. Et je lui ai pris de la pâte à modeler. Alors, la pâte à modeler, c'est pour les plus de 3 ans, je pense. J'ai vu ça, mais je sais plus. Je pense que c'est pour les plus de 3 ans. Je vais aller endormir ma fille parce que je pense que là, elle n'en peut plus. Mais Jeanne adore tout ce qui est... Enfin, malaxé. Elle adore ça. Donc, je me suis dit, pâte à modeler, ça va lui plaire. Vraiment, si vous prenez de la pâte à modeler comme ça et vos enfants sont jeunes comme Jeanne, qui ont un peu plus d'un an, restez vraiment à côté pour jouer avec ça. Parce qu'ils peuvent le mettre en bouche, c'est très très dangereux, donc faites attention. Et après, une fois que vous avez fini, rangez-les en hauteur pour que l'enfant ne puisse pas les attraper. C'est vraiment hyper important, je préfère le dire. Moi, je l'ai pris ici pour Jeanne parce qu'elle adore voilà, malaxer des choses et faire des petits bonhommes et tout. Ça va lui plaire de faire ça avec nous. Mais vraiment, faites ça avec eux et les laissez pas tout seuls avec ça, surtout quand ils sont tout petits comme Jeanne. Donc voilà. C'est tout, je vais aller endormir ma fille, je pense que ce haul est un petit peu gros, mais j'ai mis du temps à parler. Je suis occupée de... Je cherche mes mots, ça ne va pas, on voit qu'il est tard et que je suis fatiguée. Pour info, si vous me demandez, mon petit collier, c'est Simon qui me l'a offert, mais je ne connais pas du tout la marque. Ma bague ici, c'est une Wooyar, ma montre, c'est une Daniel Wellington, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et ma petite blouse ici, c'est une nuisette tout simplement, que j'ai transformée en top, voilà, parce que c'est la mode du léopard, et comme j'ai pas de léopard dans ma garde-robe encore, du coup voilà, j'ai pris ça, j'ai pris ma nuisette, et voilà, je l'ai rentrée dans mon pantalon, et ça a fait l'affaire aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog, ciao!